الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part du sœur Maïra. Alors, si une personne il prend loan avec la banque, il est parti avec une gravité. Mais après, quand il finit à prendre conséquence, il est regretté et il trouve qu'il finit faire un péché. Est-ce qu'il continue à gagner un péché? S'il demande sincère pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il se péché pour effacer? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim » Dire, « Ô mon bon esclave qui fait transgresser, qui dépasse limite, la taqnatu min rahmatillah, n'a pas perdu l'espoir, lo Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah li pardonne tous nos péchés, innahu huwa al-ghafur rahim, certainement Allah li pardonneur et il y en a beaucoup pitié. » Donc c'est lui qui demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui. Si un démon est sincère, il reconnaît et il regrette ce qu'il vient de faire, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour pardonner ce péché, Inch'Allah. Et question suivante, une question de la part de une question anonyme. Alors, il y a une soeur qui vient de dire qu'il y a un hadith qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, met en garde contre casse relation. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui casse relation trois fois. Et sous référence, Imam Ja'far al-Sadiq. Tout d'abord, sa première partie là, frères en islam et sœurs en islam, nous avons fait beaucoup attention quand nous perdons ban hadith. Il y a beaucoup de sites qui n'ont pas d'après Coran et Sunna. Il y a beaucoup de sites juifs. Il y a beaucoup de sites non musulmans. Il y a beaucoup de sites kadjani. Il y a beaucoup de sites shia. Et ban sites ban dimoun qui dans l'innovation. Alors donc, parfois il y a ban hadith qui est manipulé. Ban hadith qui pas existe. Ban référence qui pas authentique. Nous avons fait beaucoup attention. Mais après cela, nous dire oui, dans l'islam, il y a beaucoup de hadiths qui mettent l'emphase sur la relation familiale, qui nous besoin de préserver la relation familiale. Mais question là, les pédémans concernent une madame qui quitte son monsieur et pour aller avec un autre monsieur sans faire nikah. Et il peut vivre avec sa monsieur là. Et ses parents satisfait là, participent cause avec ce là au début, à cause de ce en colère avec lui. Finalement, après que je finis, pardonne-lui. Je ne commence qu'aujourd'hui, mais jusqu'à aujourd'hui, ce sœur n'a pas gagné une conversation avec lui. Parce qu'à cause de penser, il finit faire un PC grave pour quitter ce monsieur marié pour rester avec un autre monsieur. Il finit gagné un an, et quand qui dit pas une longue conversation avec lui. Mais il demande droit pour lui qu'Allah veut dire pour ce sœur, et qui veut dire est-ce qu'il certifie qu'il casse relation là. Ça sœur qui fait une casse relation avec ce sœur qui ne sauve là. Est-ce qu'il gagne malédiction? Au contraire, ça c'est là, il est dans l'obéissance à Allah, il est dans le droit chemin. Parce que ça c'est qu'il quitte ce monsieur, finalement, avec un autre monsieur, il peut vivre dans Zina. Si un dimon est marié, et il quitte ce monsieur sans talak, et il en reste avec un autre monsieur, même s'il fait une nika, sans qu'il annule sa première nika là, il est dans Zina, et s'il gagne des enfants, ses enfants viennent des enfants Zina. C'est un grand, grand péché, et c'est la malédiction à Allah qui descend dans une situation pareille. Quand un dimon peut vivre dans Zina, malédiction à Allah descend dans lit. Mais nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide sa sœur là, fait-lui prendre conscience de ce qu'il vient de faire, fait-lui retourner sur la case. Si arrivé, qu'il n'est pas capable de rester avec son premier monsieur, pour une raison valable, il est capable de faire prendre une procédure légale pour qu'il soit séparé avec sa monsieur là, il est marié avec sa autre monsieur. Mais reste comme ça, il n'est pas correct. Troisième partie de sa question là, parents là, tu es en colère à ce qu'il n'y a pas d'un lit. C'est ça le problème, ou tu es en colère à cause qu'ils ont fait, à cause de la honte, à cause du monde, ou bien tu es en colère à cause d'Allah. Si vous êtes en colère à cause d'Allah, jusqu'à aujourd'hui, vous continuez en colère avec Allah, à cause d'Allah parce que vous avez encore pu vivre dans Zina. Mais si vous êtes en colère à cause du monde, aujourd'hui, c'est une vie normale, définitivement, vous êtes en colère pour passer. Ça veut dire que ces parents-là, les fautifs, les supposés continuent à montrer ce tifi qui n'est pas welcome parce qu'il peut vivre dans Zina. Il n'est pas welcome, il reste nos tifi, mais seulement il n'est pas welcome tant qu'il n'est pas vivre la vie propre. Parce que ce tifi-là, il fait un crime. Comment nous sommes capables, un parent, les soutenir? Un tifi pour rester dans Zina. Comment ce parent capable de soutenir lui? Ça veut dire, parent là, dans l'Iréa, parent là, besoin rappeler à l'autre, besoin faire lui comprendre qu'il peut faire l'Iréa, et pas, veut dire, pas faire une relation normale, comme elle était, parce qu'il est dans haram. Comment nous capable de nous parler comme un djibou normal? Alors donc, ce tifi là, besoin réaliser que cette situation, il est bien grave auprès d'Allah, si il est mort là, ses conséquences sont bien graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sœur qui n'a pas fait cause avec lui, peut faire des doigts pour lui, alors nous dire sa sœur là, cause associée avec l'intention d'Awa, pas casse relation.
Kozo Sosia, rappelle-lui à l'autre, 10 fois les trouve-lui, 10 fois d'y te dans Zina, fais taouba. 10 fois les trouve-lui, d'y comme ça, et une solution, et une façon pour les vivre de halal. Inch'Allah, le 11e fois, le 100e fois, Inch'Allah, ça capable, sans le kiff, et les prendre bonnes décisions. Mais casse relation, pas apporte aucun du bien. Qui lui peut arriver casse relation? Oui, et ne pas laisser ça que tes immunes rentrent dans la case. Ou si on a tout ce droit pour empêcher sur le tseye qui peut vivre dans une rentre dans la case. Mais casse relation, non. Nous continuons garder contact, nous continuons faire dawa, nous continuons rappeler ça c'est là à l'autre, jusqu'à qui il fait taouba, jusqu'à qu'il retourne dans le droit chemin, Inch'Allah. Question suivante, question de la sœur Biki. Salam, Janab, mon père demande qui fait les jours, tous les jours, mon rêve, petit bébé. Est-ce qu'il est inquiétant? Et sœur en islam, nous devons comprendre les affaires. Beaucoup de mauvais rêves viennent depuis Shaitan. Mauvais rêves viennent depuis Shaitan. Et si vous trouvez au pain aucun problème, ou la vie propre, ou dans l'obéissance à Allah, et donc, connais qui ça, ces rêves depuis Shaitan, ou besoin pas raconter. Pas raconter de mauvais rêves. Fais doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lit notre protecteur. Peu importe qui vous peut rêver. Si vous lève la main avec Allah, ou pas dire personne, ou demande Allah protection, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, vous protégez vous. Pas besoin fatigué avec ça, parce que Shaitan, ça même qu'il est. Shaitan, il voulait qu'il trouve un tracas. Parce qu'il est là, celui qui est frais, d'une façon de parler. Parce qu'il n'est pas capable d'égarer où, mais il fatigue où, il fait où vivre mal à l'aise. Donc, ignore Shaitan pour avoir place ou confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question anonyme. Question, assalamu alaikum, c'est arrivé de nous faire salat dans, devant la glace. Est-ce qu'il peut aimer ça? Allah pas n'empêche nous, dans le Coran, pour faire salat devant la glace. Ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'empêche nous, pour faire salat devant la glace. Qui veut dire, pas forme partie dans din, ça raisonnement là. Moi, j'ai le droit de faire salat devant la glace, mais aucun problème. Et parfois, c'est bizarre, mais qui fait un dimanche faire salat devant la glace. S'il n'y a aucun des autres places, excepté devant celui à moi, pour lui faire salat, pas de problème. Mais il n'y a pas le retenir de la glace pour lui faire salat devant la glace. Alors, question suivante, question anonyme. Si un dimanche n'y a pas gâte rosa pendant le mois de Ramadan sans aucune raison valable, est-ce qu'il nous gagne le droit de souhaiter l'Eid Moubarak le jour de Eid? Tout d'abord, Eid Moubarak ne pas dire. Eid pas Moubarak. C'est où qui pour gagner barakat sa zoura. Pas Eid là qui gagne barakat. Allah subhanahu wa ta'ala pas donne barakat Eid, il donne barakat Dimun. A cause ça qui nous dit Eid ukumul Moubarak. Pas Eid Moubarak. Zut Eid Moubarak. Ça veut dire ou Eid, ou en tant qu'un individu. Qui Allah met barakat dans ou Eid. Ne pas dire Eid là Moubarak, non. Qui Allah met barakat dans ou Eid, ça gagne droit. Par contre, Ramadan Moubarak, oui, parce que Ramadan il béni. Eid pas béni, lui. C'est nous qui gagnons bénédiction les jours de Eid. Alors ça, c'est une affaire technique. Quand nous dit Eid ou Koumoul Moubarak. Ou bien nous dit Eid Saïd, joyeux Eid, ça n'a pas de problème. Et ça dit, mon qui pas fait gâte rosa, il fait une vie de désobéissance, il fait une vie de haram. Est-ce qu'il nous souhaite l'Eid Moubarak? Normalement, nous participons aussi sur souhaite l'Eid Moubarak. Ça va en qualité du monde. Mais seulement, nous disons souhaite l'Eid Moubarak avec l'intention qui peut-être ça capable sans se l'équerre. Ou continue garder un contact. Parce qu'ici, ou pas pour souhaiter l'Eid Moubarak, ou relation capable de casser avec lui. Nous les qui nous gardons relation avec nos bons frères et sœurs musulmans, nous pas casser relation dans n'importe quelle situation jusqu'à dernier l'air. Tension qui capable sa relation là capable de mettre au cause une bonne parole du monde là sans eux. Par contre si on casse relation ali ou pas vous capable rappeler à l'autre ou pas vous capable j'ai dit mais qui fait pas garde rosa peut-être inshallah on continue garde relation avec lui on se tire Eid Moubarak on gagne l'occasion dit inshallah me faire doigt qui l'année prochaine tout garde rosa et comme dit monde qui participe garde rosa in garde à la fin avec si t'en rappel wadakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin fi rappel parce que rappel il profite ban dit monde qui na iman. Question suivante, anonyme. Alors, assalamu alaikum. Il y a une question très sérieuse de la part de sa cousine. Une madame est mariée, mais elle trompe son monsieur pendant plusieurs années. Monsieur là, papa prend sa responsabilité. Papa prend responsabilité, madame là, et je ne peux pas vivre comme un couple. Madame là, il demande talak pour séparer avec monsieur là, mais monsieur là, pas de lui. L'inal prend ce coup là, mais ensuite, fait une pensée pour réconcilier pour, à cause bien-être des enfants. Mais après, madame là peut trouver qu'il n'est pas capable de continuer avec sa monsieur là parce qu'il peine à l'affection et l'amour pour sa monsieur là. Ma question est-ce que sa madame là les sonica les casser parce qu'il trompe son monsieur ou bien il demande khoul. Qui meilleure solution? Ou bien il demande khoul. Alors tout d'abord, basons le ça qui sa question là peut dire, qui veut dire que monsieur là, il est assume 50% la faute.
Parce que les papes vivent avec madame là comme un monsieur bizarre vivre avec madame là. Ça veut dire madame là, une rente de désobéissance, c'est pas l'irresponsabilité, pas négligence sur monsieur. Ça veut dire monsieur là est coupable à 50% de sa situation. Deuxièmement, si une madame lui trouvait qu'il ce monsieur pas peut donner de l'amour ou l'affection, pas peut donner ce droit à rapport sexuel, pas peut guetter, pas peut prendre les comptes, pas peut donner manger, dans n'importe quelle façon, pas peut prendre ses responsabilités, ce devoir c'est que faire du bon cause en monsieur là, ramène-lui, faire-lui, amène-lui à la raison. Si monsieur là pas capable ou bien pas intéressé, ce, madame là, il a le droit de demander divorce. Il a le droit de demander divorce, après là, il y a le marié. Mais non pas à cause de ça, il a fait zina. Par contre, ce monsieur n'a pas donné le droit de sexe et a fait zina. Il fait propre channel. Il divorce avec monsieur là, il y a le marié. Sa madame là, il est coupable dans sa action là. Ce raison pas justifiée pour lui faire zina. Ce raison n'a pas justifié pour lui faire zina. Assez si il peut envie de vivre dans propre, il peut demander monsieur là talak. Et monsieur là, pas donné pour lui capable à vivre dans la vie propre. Pas aucun problème, il y a une instance qui est valable, une instance qui est reconnue. Il y a là-bas qu'on va occuper Moyaz et il dit à Banla, mon monsieur est un monde irresponsable, mon papa va rester avec lui, mon père demande mon roula. Il y a là-bas, il demande à Michel de donner ce roula. Si Michel n'a pas donné, annule sa Moyaz. Il est là, il est capable, Inch'Allah, de faire sur la vie, vivre dans le propre. Le fait de qu'Allah subhanahu wa ta'ala trouve une solution pour eux. Et la meilleure solution, c'est que Michel prend ses responsabilités, madame là retourne de la case pour que les enfants n'aient pas payé dans l'irrière de grand monde. Question suivante de la part de nos frères Othaymin. Je peux dire, est-ce qu'il a un droit de demander l'argent pour gagner, pour demander la santé pour un non-musulman? Ou bien demander bien-être dunya, apporte la guidance. Si ce non-musulman-là, il y a un bon dimoun. Il y a un bon dimoun. Il n'est pas fait musulman du tout. Il agit bien avec dimoun. Nous avons un droit de demander la santé pour lui. Nous avons un droit de demander dunya pour lui. Nous avons un droit de demander guidance pour lui. Et nous supposons demander guidance pour lui. Alors donc, il n'y a aucun mal qui nous fait droit pour un musulman, aussi, pour un non-musulman, aussi longtemps, il n'est pas encore mort. Quand un non-musulman finit mort, nous n'avons pas gagné le droit de demander droit pour lui. Il est encore vivant, nous gagnons le droit de demander hidayat pour lui, de demander la santé pour lui, aussi longtemps qu'il y a un bon dimoun, et aussi longtemps, veut dire qu'il nous demande la santé, dunya pour lui, aussi longtemps il y a un dimoun gentil, il agit bien avec un musulman. Question suivante de la part de M. Yas Naz. Salam alaikum, bah, est-ce qu'il nous gagnera à la toilette quand Azan peut donner parce qu'il nous paye attention shaitan ou djinn dans sa liela? Alors, nous dîn, qui pas n'oublier non yé, Allah subhanahu wa ta'ala dit au même qu'un rabbou kanasiya, tu n'auras pas n'oublier non yé pour dire toi. Allah pas n'oublier non yé. Donc, si tu as quelque chose dans sa liela qui ne pas gagner droit à rentrer dans la toilette dans les Azan, attention dans sa liela, l'état djinn n'a pas sauvé, il rentre dans la toilette, il rentre avec nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire nous. Allah subhanahu wa ta'ala ti informe nous. Allah pan dit nous, donc si Allah fin garde silence, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin garde silence, pas aucun problème, mais toutefois, n'importe quelle situation qu'il est, Azan peut donner ou bien Azan pas peut donner, quand nous rentrons dans la toilette, nous avons cette protection avec Allah contre les djinns mâles et femelles. Question suivante, question de la part anonyme, est-ce qu'il Allah, est-ce qu'il non Allah, non Allah, là-dedans de ce bon attribut ou bien un frère peut demander concernant tabiz qui dans tabiz là il y a un verset Coran, est-ce qu'il gagne droit mettre tabiz verset Coran? Alors tout d'abord Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire man allaqa tamima faqad ashrak, c'est lui qui fait mettre un amulette, il fait shirk. Ban ulama fin divisé l'oula en deux catégories. Ban ulama, la plupart ban ulama, majorité ban ulama dire amulette, tabiz, dans n'importe qui se forme, qu'il y soit verset Coran, qu'il y soit hadith, qu'il y soit n'importe qui affaire qu'il y a là-dedans, les haram, les shirk. Alors que certainement, ulama dit, tabiz, amulette, qui est dans les autres choses, à part verset Coran, shirk, les haram, mais si il y a verset Coran là-dedans, il est permissible dans bonne situation. Il est permissible dans bonne situation. Et donc, nous, qui nous dit là? Qui nous dit là? Est-ce qu'il nous capable de mettre tabiz? Dans, veut dire, qui est dans le verset Coran, nous dit que l'opinion qui plie authentique, c'est que les haram, les dangereux, si nous ne pas dire les shirk, mais il ne faudrait pas qu'il nous autorise un musulman pour mettre tabiz, même si c'est dans le Coran. Qui fait? Nous ne pas rentrer dans les débats parce qu'il y a cette divergence-là concernant tabiz qui est dans le Coran, les divisés même entre les sahaba.
Mais dans le contexte actuel, qui fait nous dire, nous pas autorise, ben, dis-moi, métabise même ayat Coran qui est là-dedans, pour plusieurs raisons. Numéro 1. Quand métabise qui est dans le Coran, ça veut dire, comprends bien, frère, en islam, et c'est en islam, les autres formes de tabise complètement haram, les shirk. Mais nous peut dire, un tabise qui est dans ayat Coran, qui fait nous dire, pas gagner droit, métabise dans sa contexte qui nous peut vivre. Malgré qu'il y ait une divergence sur la numéro 1, parce que dis-moi, rentre dans la toilette. Ils n'ont pas gagné droit, rentre dans la toilette avec ayat Coran. Numéro 1. Deuxième, parfois, nous devons pécher, nous faire pécher. Nous pouvons faire télévision, nous pouvons faire haram, et nous pouvons écouter la musique, et il y a un Coran avec nous, les haram encore une fois. Troisièmement, ce qui est plus grave, c'est que la plupart du monde, frères en islam et sœurs en islam, vous pensez qu'ils savaient ces Coran-là, cette tabise-là, qui protecteur. Alors qui le protecteur, c'est pas sa page Coran-là. C'est pas sa texte Coran-là. Le protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand du monde, on attache cette tabise-là de ce l'écho, lui penser, lui, c'est ça le protecteur. Ça veut dire, s'il est sorti dans la case, il pas le mettre sur tabise, il commence à paniquer, il galope, il y a le rôle de ce tabise. Qui veut dire que ça, dans le contexte qui nous peut vivre, sa forme de tabise, même en Coran là-dedans, lui peut éventuellement amener nous pour faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, l'opinion, l'aura, c'est que tabise dans tous les sens, lui, soit qu'il est shirk, si peine à être Coran, mais si n'a être Coran, dans le contexte actuel, nous dire qu'un musulman pas supposé mettre tabise, dépend-nous Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute situation, Allah est nous protecteur. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut dire avant tout, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. C'est lui qui met sa confiance dans Allah, Allah suffit pour lui. Donc, frère en islam, nous pas recommande tabise, même si n'a versé Coran là-dedans. Et par cela, frères en islam et sœurs en islam, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.